Ce matin, les autorités ont organisé une réunion d'information à Branville, en Normandie. Une rencontre avec les habitants proches du centre de vacances qui a accueilli les 28 ressortissants français de Wuhan. Les habitants ont pu poser toutes les questions qui les tracassaient. Je vais juste poser une question, si jamais il y avait un cas qui se déclarait hors confinement, comment ça se passait ? Les autorités ont rassuré la population. Les 28 rapatriés sont placés en quarantaine pendant 2 semaines. On leur dit que les personnes qui sont arrivées dans le centre donc, sont des personnes qui ne présentent pas de symptômes virales et donc qu'ils ne risquent rien. Dans l'ensemble, la nouvelle a été accueillie dans un esprit de solidarité. Ce qui prédomine, c'est le fait d'accueillir quand même des compatriotes qui, eux, devaient l'être, beaucoup plus que nous. Et donc, je pense que c'était tout à fait normal. Mais bienvenue à eux, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse pareil. Seule une équipe médicale sera en contact pendant 14 jours avec ces rapatriés.